Bonjour, j'espère que tu vas bien. Merci à toi de regarder cette nouvelle vidéo de la chaîne 3D Printing Explorer, consacrée cette fois-ci à l'optimisation des supports d'impression. Dans cet épisode, je ne vais pas vous parler des techniques qui visent à éliminer ou éviter l'usage des supports lors de la conception d'une pièce. Ce point relève d'une étape plus en amont de la conception du design de la pièce plutôt que de l'impression elle-même. Ceci fera l'objet d'une autre vidéo. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est bel et bien comment utiliser les supports à bon escient au moment de la préparation de l'impression, alors que la pièce est déjà dessinée. Dans la suite de cette vidéo, je vais partir du postulat que si nous devons imprimer des supports, c'est qu'ils sont nécessaires, comme dans le cas du design où le choix de la forme le rend incontournable. Il y a des situations où on doit mettre des supports, un point, c'est tout. Avant toute chose, n'hésite pas à faire ce petit geste si simple pour t'abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la petite cloche. C'est quelque chose de super motivant pour moi. Cela m'aide également à me faire connaître et en plus tu ne pourras plus manquer la sortie des prochaines vidéos de ma chaîne. Dans un premier temps, parlons un peu de l'utilité des supports. Ces derniers sont majoritairement utilisés pour supporter des porte-à-faux et les ponts. Autrement dit, pour permettre à une imprimante à dépôt de matière fondue d'imprimer dans le vide. C'est pratique autant qu'indispensable, mais cela consomme beaucoup de matière, d'énergie et de temps d'impression. Une autre utilité des supports est de garantir la stabilité de la pièce durant l'impression, qu'il s'agisse d'une pièce à forme particulière qui nécessite d'être imprimée dans un sens bien précis pour assurer une solidité maximum dans son usage futur, ou encore tout simplement parce que les dimensions de la dite pièce ne tiennent pas sur la surface du plateau. Les supports s'avéreront incontournables pour maintenir la pièce en place jusqu'à la fin de l'impression. Un autre cas sera d'utiliser les supports d'impression non pas pour imprimer dans le vide, mais pour réduire les risques de warping sur les grandes surfaces ou plus particulièrement sur des porte-à-faux qui ne seraient pas assez importants pour que le plastique coule vers le bas, mais suffisamment pour qu'il se déforme vers le haut en refroidissant. Dans cette situation, la tête d'impression vient buter dans la pièce et se décaler. Ce type d'usage est plutôt anecdotique en impression FDM plastique. En revanche, c'est quelque chose de totalement indispensable et systématique en impression métallique par frittage laser ou par faisceau d'électrons, sous peine de voir la pièce se déformer totalement durant l'impression. Un dernier usage qui s'est fortement démontré au cours de la pandémie de 2020 est de réaliser des impressions de petite série en exploitant tout le volume de l'imprimante. Par habitude, nous avons tendance à mettre en avant qu'une imprimante FDM ne peut imprimer qu'une série de pièces qu'à la condition que chacune d'elles ait la place de reposer sur le plateau lui-même. Désormais, on utilise des supports pour séparer les pièces les unes des autres afin de les superposer. Les contreparties sont que cela est susceptible de consommer beaucoup de plastique supplémentaire, puisqu'il faut faire les supports, et d'augmenter le risque d'échec à mesure que l'impression s'allonge. Néanmoins, cela permet d'imprimer plus de pièces en réduisant les temps d'inactivité de la machine et le besoin en manipulation humaine lorsque tout se passe bien. Bon, assez parlé potin, passons maintenant au côté pratique. Comme indiqué, on considère que la pièce est ce qu'elle est et que les supports sont nécessaires. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont indispensables à chaque endroit de la pièce qui semble en nécessité. Prenons un premier cas avec cette boîte. Si je la place à l'envers, à plat, je vais avoir besoin de beaucoup de supports pour imprimer le fond. Et comme il s'agit d'un objet avec une paroi très fine, le retrait des supports pourrait occasionner la rupture de la pièce. Si maintenant je place la pièce à l'endroit, la situation est encore pire. La quantité de supports nécessaires pour imprimer le rebord extérieur est encore plus importante et le temps d'impression augmente aussi. Quoi qu'il arrive, il ne sera pas possible de se séparer totalement des supports pour mener l'impression à son terme. En revanche, si je tourne la pièce comme ceci pour imprimer sur le flanc, le besoin en support devient beaucoup plus raisonnable et le temps d'impression diminue un peu également. Voici ce que cela donne une fois l'objet imprimé. L'objet est correctement imprimé, le support est facile à retirer, même s'il faut procéder avec beaucoup de précautions pour ne pas casser la fine paroi du pot. Analysons un autre cas avec cet encastrement de verrou. Son design doit absolument se présenter ainsi. En l'observant bien, on pourrait penser qu'il est inévitable d'utiliser des supports, et ce pour plusieurs raisons. Les points critiques de cette pièce sont les suivants. Il y a un rebord sur tout le tour de la pièce. Il y a deux trous pour le passage d'un axe, on y trouve aussi une avancée de matière à l'extrémité haute. Bon, pour le rebord, le problème est facile à résoudre, il suffit d'imprimer la pièce sur la face. Ainsi, on supprime la nécessité de recourir à du support pour cette zone. Pour l'extrémité haute, avec l'avancée de matière, cela se complique un peu. Pour tout vous dire, au premier essai, j'ai mis du support.
mais cette zone ne sera pas visible une fois la pièce installée à son emplacement final. Donc je décide de tenter le coup sans support dans cette zone lors de la seconde impression. Dans le pire des cas, comme il s'agit d'une zone d'emboîtement qui ne nécessite pas non plus une grande précision, je peux envisager de ne pas utiliser de support pour gagner du temps et de la matière. Éventuellement, retirer les bavures au scalpel. Mais pas trop, parce que perso, je ne suis pas fan de l'ébavurage et j'aspire toujours à ce que la phase post-traitement me prenne le moins de temps possible. Passons au trou. Ils présentent une forme progressive et ne sont vraiment pas énormes. Ils ne présentent pas de zones larges presque plates à leur sommet susceptibles d'entraîner une impression dans le vide. Donc on peut estimer que là aussi les supports ne sont pas nécessaires. Je sais, vous allez me dire, j'ai retourné la pièce, je n'ai plus besoin de support pour le rebord, mais j'ai une énorme zone de pontage à l'intérieur de la pièce maintenant. Alors c'est là qu'intervient la connaissance que l'on a des capacités de son imprimante. Il vous est probablement arrivé d'imprimer ce genre de pièces de test de calibrage. Ce type de pièce nous apprend plein de choses sur les limites à respecter pour obtenir une impression correcte en fonction de la matière et des paramètres utilisés. On y trouve entre autres les tests de pontage. Si vous regardez bien cette pièce que j'ai imprimée, on peut y voir qu'avec du PLA, mon imprimante s'en sort haut la main sur les ponts les plus longs. J'ai donc décidé de tenter d'imprimer la pièce sans aucun support. Il reste néanmoins une zone critique avec la présence d'une empreinte ronde dans cette zone de pontage. Là, sans support, cela risque de mal se terminer. Mais bon, je vais tenter l'expérience et voir ce qu'il en ressortira. Je précise au passage que cette surface de la pièce ne sera elle non plus pas visible une fois la pièce en place. Ce qui me donne un peu plus de latitude pour optimiser mon impression sans pour autant sacrifier le visuel final. Allez, j'imprime la pièce et on se retrouve juste après. Voici la pièce imprimée. L'aspect extérieur me paraît plutôt bon, si ce n'est qu'il y a une petite erreur de tranchage juste à ce niveau-là, au niveau du démarrage de la zone de pontage. Les trous sont aussi ronds que l'épaisseur de 0,2 mm leur permet de l'être, et le dépassement de matière à l'extrémité haute ne présente quasiment pas de bavure, contrairement à ce que je pensais, ce qui m'épate énormément. Découvrons maintenant le dessous de la zone de pontage. Je constate que les lignes de première couche sont à peine plus visibles que sur un filet. La pièce ne présente pas non plus d'affaissement au niveau de la zone de pontage. En ce qui concerne le trou d'empreinte, le filament déposé sur la périphérie a pris une forme un peu étrange, voire carrément presque catastrophique, puisque là, on peut voir que clairement, le filament a essayé de se déposer, mais bien sûr, il n'y avait rien, donc il a laissé raccrocher un peu là où il pouvait. Ensuite, ce phénomène s'est résorbé progressivement au fur et à mesure de l'accumulation des couches suivantes. Là, ça va nécessiter quand même un petit peu de post-traitement. C'est ainsi que s'achève la première partie de cette présentation consacrée à l'optimisation des supports d'impression. Nous avons pu y voir, dans un premier temps, qu'orienter correctement sa pièce peut permettre de réduire significativement la quantité de supports nécessaires à l'impression d'une pièce. Je vous ai également montré qu'en analysant correctement la topologie d'une pièce et avec une bonne connaissance des capacités de son imprimante, il devient possible de s'affranchir du recours à certains supports dans des situations qui en nécessitent habituellement. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous ainsi qu'un pouce en l'air d'encouragement. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche juste à côté pour être averti de la parution du second volet consacré à l'optimisation des supports d'impression. Je vous invite enfin à me soutenir en partageant cette vidéo avec un maximum de personnes. Au revoir et à bientôt !